De quoi j'ai l'air ? Nico Saliagas. Quel est l'artiste que vous avez rencontré qui vous a impressionné le plus ? Chanteur, j'entends. Michael Jackson, je pense. Michael Jackson ? Ouais. Parce qu'en fait, mon mari s'occupait du mime Marceau et ouais. Michael Jackson, c'était il y a très longtemps, hein. Il était intronisé au Grévin. Et donc, il était invité, on a été invité du coup à cause de ça, à cause du mime Marceau qui était là parce que c'est lui qui avait appris le moonwalk. Donc, il y a tout un film sur Michael Jackson, il y a le machin, il y a sa statue. Et après, il y a une cérémonie dans les couloirs du Grévin. Ah, il était vraiment là? Je pensais que vous aviez rencontré la statue. Comme non, vous mais dit. Non, mais non. Et alors, il était comment, Jackson? Alors, non, en fait, il était timide, hein, je pense, mais je ne lui ai pas parlé, en fait. Et il y a le directeur, il y a le mime Marceau qui me présente à Michael Jackson. It is a French machin, un truc. Donc, il me salue comme ça, de la tête. En et 83. Deux secondes après... Il y a le directeur du Grévin qui dit qu'il va voir Michael Jackson en disant « You know, it is a French artist ». Donc, parce que j'avais joué au Grévin, je m'entends bien. Et donc, Michael Jackson a dû croire que j'étais très importante. Et il met ses mains comme ça et il s'incline devant moi. Extraordinaire, faut trouver la photo. Maintenant, il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de portable à l'époque. Dommage. Mais c'était un truc, c'était hyper rigolo, quoi. Mmh. Et puis moi, 6 ans d'anglais, la seule chose que j'étais capable de dire, c'était « Hi ». De quoi j'ai l'air ? Nico Saliagas.